Warren Buffett, né le 30 août 1930 à Omaha, est un homme d'affaires, investisseur et milliardaire américain. Grâce à des investissements en bourse, il devient milliardaire dans les années 1980. En avril 2023, sa fortune est estimée à 113,8 milliards de dollars selon Forbes 1. Warren Edward Buffett est né à Omaha, dans le Nebraska. Son père, Howard Buffett, est courtier en bourse et membre du Congrès. Buffett étudie à l'Université du Nebraska et obtient une maîtrise d'économie à l'Université Columbia. Revenu à Omaha en 1958, il gère des portefeuilles boursiers, en regroupant l'argent de ses amis et connaissances, de sa famille ainsi que le sien. Dès 1969, ses investissements ont réalisé des plus-values de presque 30% en moyenne et par an, dans un marché où la moyenne se situe entre 7 et 11% et où les meilleures performances sont exceptionnelles. Sous la direction de Buffett, le fonds Berkshire surpasse les références des marchés tels que le S&P 500 et le Dow Jones pendant plus de 40 ans. Il s'est marié avec Susan Thompson en 1952. Il se sépare en 1977, mais sans divorcer. Cet important actionnaire de Berkshire Hathaway est membre du conseil d'administration et décédé le jeudi 29 juillet 2004 d'une crise cardiaque. En 2009, Buffett vit avec Astrid Menck, sa dernière compagne depuis la séparation avec sa femme. Il a trois enfants, dont l'un est agriculteur dans le Nebraska et un autre compositeur de musique New Age. Warren Buffett n'a pas encore nommé clairement son successeur à la tête de son entreprise, ses enfants n'hériteront pas de toute sa fortune. Il a prévu d'en verser une grande majorité, soit 37 milliards de dollars, à une œuvre de charité, la Fondation Bill et Melinda Gates, comme l'a fait son ami Bill Gates.